C'est le ciel et vos machines qui tirent chacun de leur bord. On aimerait bien avoir une loi comme les Hollandais. On aimerait bien avoir une loi comme les Luxembourgeois. Et que, eh bien, pour nous, c'est l'exemple. C'est la Belgique, c'est les Pays-Bas. Jacqueline Hermans. Merci Jean-Luc. Je dois dire que quand on a eu la loi en Belgique, j'y croyais pas. J'y croyais pas un pays judéo-chrétien avec un poids de l'Église tellement fort. On y est parvenu et alors que vous, la République laïque française, vous tapez, hein, ça, il faut nous rejoindre. Et je le dis parce que j'ai entendu Noël aussi parler du fait que ce sont des combats d'arrière-garde, les pro-life. Eh bien, figurez-vous qu'on a hérité de vos veilleurs. On a des veilleurs en Belgique maintenant. Ils veillent, heureusement, ils veillent le dimanche à 16h quand il y a beaucoup de parlementaires, le mardi à 19h quand il y a encore beaucoup de parlementaires. Mais pour l'instant, nous avons un vent mauvais qui vient de France. Et ce n'est pas la Tramontagne, ce n'est pas le Mistral. C'est plutôt, je dirais, l'odeur des bûchers de l'Inquisition. Et ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que tous les trucs sont bons, toutes les manipulations sont bonnes. L'euthanasie restera toujours une question difficile pour les médecins qui doivent l'appréhender, pour la personne qui demande l'euthanasie. C'est quand même pas rien. C'est pas un beau matin qu'on se réveille en se disant ben, « qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, je vais demander l'euthanasie ». Non, ce sont des décisions qui sont longuement mûries. Et quelque part, une amie me dit, elle le dit depuis 2 ans, l'euthanasie l'a fait vivre. Parce que pour l'instant, les métastases sont en train de gagner le combat. Mais entre-temps, elle se bat. Parce qu'elle sait qu'il y a une porte de sortie. Elle sait que c'est possible. Alors maintenant, n'écoutez pas ce qui se dit. Le Comité consultatif national d'éthique s'est discrédité. Il s'est totalement discrédité par un avis bâclé, faux, sur tous les points. Il faut absolument que la France se ressaisisse, que vous soyez entendus, que nous soyons entendus, parce que quelque part, je ne vais pas dire, je ne vais pas utiliser les mots un petit peu triviaux, mais j'en ai quand même marre d'entendre des appels de Français qui disent « Est-ce qu'on peut venir en Belgique pour bénéficier de l'euthanasie ?» Et quand je dis « j'en ai marre » parce que ça pose des problèmes. Ce n'est pas facile de dire « non ». C'est vraiment pas facile. Quand vous entendez la mère d'un garçon qui est atteint de la sclérose en plaques, qui n'en peut plus, et son médecin lui dit « non, je peux rien faire ». Quand vous entendez aussi Damien que vous connaissez, qui avec courage s'est toujours occupé des autres, et qui quelque part maintenant devrait surtout s'occuper de lui, mais quand vous entendez Damien, jusqu'à présent, il n'y a pas de solution en France. Il a son courage qui le tient. C'est tout. Alors, à quand ? À quand la proposition numéro 21 ? Et attention au piège, hein, parce que j'ai entendu qu'on était en train quelque peu de diluer quelque peu, que ça va devenir peut-être un Leonetti amélioré. Alors là, non. Bonne chance. Merci.